Ernestien, Ernestienne, bonjour, c'est le retour du livre du vendredi. Alors cette semaine, je voulais vous parler d'un livre vraiment qui m'a beaucoup plu, qui a été un très 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 bon moment de lecture. Ce livre, ça s'appelle Madame Est de Sylvie Losberg chez Zlatkin Édition. Alors c'est assez simple, hein. Vous connaissez cette anecdote est très connue, c'est l'anecdote de Félix Faure, le président de la République, qui décède suite à un rendez-vous galant avec sa maîtresse Marguerite. Et cette maîtresse, qui a été exfiltrée de l'Élysée au moment de la mort de Félix Faure, a été appelée dans l'histoire pompe funèbre. Alors on peut dire que c'est pas très glorieux. Et finalement, l'histoire de cette Marguerite Steinhell, cette femme qui a été mariée à un peintre finalement qui n'avait pas beaucoup de talent, et qui était une femme libre, c'est un roman fort, puissant, plein de rebondissements. Ça met en scène finalement au départ une journaliste qui découvre une boîte chez elle et qui décide de partir sur la trace de cette Marguerite, de savoir pourquoi cette Marguerite, cette femme libre, avait été aussi vilipendée par l'histoire, avait été aussi finalement regardée comme seulement la pompe funèbre, mais n'était pas regardée comme, en tant que femme. Pourquoi cette femme a été incarcérée après cette mort de Félix Faure? Pourquoi son mari, à elle, est mort un peu bizarrement? Voilà, c'est une enquête à la fois romanesque, historique, forte, intelligente, qui finalement nous emmène sur les traces à la fois des coulisses de la République, mais aussi des coulisses de l'histoire, et puis aussi, surtout, qui nous interroge sur pourquoi finalement les hommes racontent toujours une histoire et que les femmes sont mises sur le côté? Pourquoi finalement on en arrive à se demander qui était cette Marguerite? On en arrive à s'attacher à elle, on en arrive à comprendre que les choses sont toujours un peu plus grises. Et c'est vraiment un très très bon livre, un roman d'une grande force romanesque que je vous conseille absolument de ne pas rater, car c'était vraiment un très très bon moment de lecture. Donc c'est Madame S de Sylvie Losberg chez Zlatkin Édition. Ne ratez pas ce roman, vous allez passer un moment de lecture puissant, historique, virevoltant, avec un portrait de femme fabuleux et une entrée dans les coulisses et dans les mœurs de la République. Ne ratez pas ce livre, c'est vraiment un très bon moment de lecture. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le livre du vendredi reviendra la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi, évidemment, à vous abonner à Ernest, à nous faire connaître et à faire en sorte que Ernest devienne toujours un peu plus grand pour vous continuer à vous parler en toute indépendance de livres, de littérature et de toutes les littératures. A plus, ernestmag.fr. Thank you.